Bonjour Delphine. Bonjour, Laure. Alors merci d'avoir accepté de témoigner par rapport au forfait, la formation Découvrez vos talents énergétiques. Alors tu as suivi cette première formation, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors moi j'ai suivi cette première formation parce que déjà on travaille ensemble personnellement et puis dans le cadre de mes accompagnements et aussi parce que ça m'a intéressée d'en savoir plus. Donc moi je suis, ça fait 1 an et demi que je plonge un peu plus dans ce domaine de l'énergétique et j'ai besoin de concret. Et là en fait quand tu m'as parlé de cette formation, je me dis voilà je découpe par petits bouts en fait et par petite expérience de la vie du quotidien. Donc je me dis je trouve ça chouette parce que ça va m'aider à ancrer encore plus mes capacités puis ma compréhension de ce que c'est que l'énergétique pour que du coup ça devienne plus clair. Ah, génial. Et alors, est-ce que ça a fonctionné, ça? Est-ce que c'est devenu plus clair pour toi? Ben oui, parce que en fait, alors tous les exercices ne m'ont pas nécessairement parlé, mais je parlais de la bulle, je pensais à la bulle par exemple avec les enfants dont tu parles, que les tout petits voient ou tout ça. Mais en tous les cas, je trouvais ça bien parce que, comme tu l'avais présenté, c'est sous forme de jeu. Ouais. Donc du coup, il y a un côté, j'expérimente et surtout de prendre conscience que c'est quelque chose qu'on a naturellement en soi, mais que voilà, qui fait que dans notre éducation, dans notre culture, on met sur le côté et puis on a l'impression que finalement ça n'existe pas. Et donc là, je trouvais ça chouette de faire ces petits exercices et de mettre, parce que tu faisais la formation, de vraiment prendre conscience que ça marche, enfin, la queue dans le supermarché, bon, la place de parking bien sûr, mais voilà, tous ces exercices, ça m'était. Et puis, comme je disais, ça rendait plus concret. Donc, je trouvais que là, du coup, tu avais des preuves, en fait. Puis, tu nous expliques en amont ce qu'on doit faire, puis comment ça fonctionne, en fait, ce C'est que tu ça, nous le as pourquoi ça marche, en fait, le côté cartésien du pourquoi ça voilà. marche, C'est c'est ça ça. qui t'a plu, c'est ça? J'ai besoin d'avoir cette explication très cartésienne, puis après je peux aller dans du moins cartésien, mais en allemand j'ai besoin de comprendre en fait. Génial. Et est-ce que tu continues de l'utiliser au quotidien, maintenant que tu as pu découvrir, en fait, des petits moyens de faciliter la vie? Oui, de toute façon, comme je disais, c'est un peu dans la continuité, la formation que j'avais faite avec toi. Et en fait, pour moi, c'est de plus en plus ce avec quoi je travaille, parce que c'est ce côté intuitif. Et donc, oui, c'est de plus en plus que je continue, que je veux investiguer cet univers et pas le comprendre encore plus. Donc, oui. Génial, merci Delphine. Et alors, est-ce que tu recommanderais cette vidéo, enfin ce programme? Ben oui, parce que en fait, c'est comme je disais, et puis comme tu l'as annoncé, c'est des exercices tout simples de la vie quotidienne, et pour vraiment prendre conscience qu'on a cette intuition, ce côté énergétique en nous. Donc c'est sous forme de jeu. Donc finalement, c'est juste expérimenter quelque chose de différent que peut-être certaines fois on peut avoir entendu parler, mais là, on met tellement de focus dessus que quelque part, on ne peut pas ne pas comprendre que ça marche. Et puis en plus, ça devient un outil, en fait, cette intuition, ce côté Ah, énergétique. génial, Donc, c'est exactement ça, c'est un voilà. outil. J'aime bien le côté théorique que tu amènes, parce que forcément, on est quand même dans un monde très cartésien, enfin, en tous les cas, pour une grande partie. Et donc, tu sais nous faire comprendre les choses en amont de chacune des expériences. Et puis après, voilà, on pratique. Et donc après, on est de plus en plus actrice ou acteur des situations de la vie courante et on sait faire différemment. Et du coup, ça fait que ça rend la vie plus facile aussi. Et on la subit moins. Donc je trouve ça intéressant. Ah, c'est ça, génial. Eh ben, merci Delphine. Avec plaisir, là. Et puis à bientôt. À bientôt.